Bonjour, comme vous le savez, les événements récents et les nouvelles règles qui en découlent nous obligent à nous réinventer. C'est la raison pour laquelle je vous retrouve par ce nouveau type de médiation qui est la vidéo. L'objectif, c'est de pouvoir poursuivre le travail que nous avons entrepris ensemble et de conserver notre rendez-vous hebdomadaire du mardi soir. Cela dit, le fait de proposer du contenu sur Internet m'engage en quelque sorte à intéresser un nombre de personnes un peu plus important qui ignorent totalement ce que nous avons conduit depuis le mois de septembre ensemble. C'est la raison pour laquelle je me propose de traiter d'un sujet particulier, comme une espèce de petite capsule à part dans notre programme qui consiste à s'intéresser à la composition d'une image narrative. Bien entendu, cela ne remet absolument pas en question le travail qui est en cours avec mes élèves du mardi soir et le récit sur lequel ils sont en train de travailler. Mais bien au contraire, si cette période vous le permet, eh bien je vous engage à continuer à avancer sur ce travail et je continuerai bien sûr durant toute cette période à m'y intéresser de près si vous avez bien sûr des choses à me soumettre. Et puis pour finir, j'en appelle à votre bienveillance. Utiliser la vidéo comporte certains risques et certains accidents. Le travail que je vais vous proposer, la manière dont je vais m'adresser à vous, va être le résultat d'un grand amateurisme. Je ne suis pas youtubeur, je n'ai jamais envisagé de l'être. Tout est nouveau pour moi, donc je vous demande beaucoup de patience pour toutes les boulettes que je pourrais commettre et pour toutes les longueurs durant lesquelles vous ne manquerez pas de vous ennuyer. Pardon d'avance. Voilà, je vais essayer de ne pas faire plus long. Je vous remercie de votre attention et puis je vous donne rendez-vous très vite. D'ici là, portez-vous bien et restez chez vous.